nous offre des locaux neufs pour des conditions d'apprentissage optimales et un vivre ensemble idéal. Au nom de toute l'équipe éducative, nous souhaitons que cette année scolaire soit douce et enrichissante, qu'elle réponde aux attentes des élèves et également de leurs parents. La reconnaissance à l'ensemble des personnes qui, par leur travail d'équipe, ont permis la réalisation de ce fabuleux projet est inclusif. Celles et ceux qui, de longs mois durant, ont œuvré pour que nous puissions aujourd'hui fêter dignement l'ouverture de notre nouvelle école secondaire. Alors en plus ici, voilà, le projet pédagogique, tu l'as rappelé, est un beau projet progressiste, ambitieux, basé sur la pédagogie active, avec une vraie volonté de faire de nos futurs élèves des citoyens actifs et responsables du 21e siècle. Tout ce projet, évidemment, s'inscrit pleinement dans ce qu'on essaie de faire aussi, encore une fois, au niveau de notre système scolaire, avec le pacte pour un enseignement d'excellence. Et un enseignement de qualité passe par des bâtiments de qualité. Car je pense que c'est dans des bâtiments de qualité que l'on peut être dans les meilleures conditions pour bien apprendre. Et c'est pourquoi nous avons, au niveau de la Fédération, un grand projet ambitieux pour les bâtiments scolaires. Et il y a déjà une enveloppe importante qui est consacrée à l'État. 3 millions.